leaders. La DW Academy travaille depuis 2011 en Tunisie de manière long terme. On a mis dans notre plusieurs projets le focus sur premièrement la formation des journalistes, la professionnalisation des médias, notamment les médias de proximité dans les régions défavorisées. C'est-à-dire, on a continué à travailler avec des partenaires des stations radio locales, par exemple Ulysse à Humtsouk et Nefsawa FM à Kribili. L'objectif est de former les journalistes pour que les stations soient capables de fournir une meilleure qualité pour leurs auditeurs. C'est le premier focus. Le deuxième, c'est le sujet de l'éducation aux médias. Nous avons une coopération avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. On travaille pour les jeunes dans les maisons de jeunesse par former les animateurs. Dans chaque gouvernorat, en ce moment, il y a presque deux maisons de jeunes avec un studio radio web ou aussi télévision. Et les radios, ils ont besoin d'un animateur, une animatrice qui sait qu'est-ce qu'il faut faire avec cette studio. Donc, on forme les animateurs dans le, qu'est-ce qu'on dit, media and information literacy, c'est-à-dire c'est la compétence médiatique, comment travailler et développer par exemple un programme de radio pour que, peut-être ça se passera un jour, pour que les stations radio seront des petites radios locaux dans les régions. Bien sûr, nous sommes en train de développer un nouveau projet pour 2019, ça sera un projet pilote pour une année et nous sommes en train de continuer. Nous sommes en train de discuter avec notre partenaire tunisien un modèle, comment trouver un cadre pour un travail dans la formation journalistique. Donc, on veut rester dans ce métier parce qu'il y a tout à fait un besoin des médias, notamment de proximité. Donc, on essaie de discuter avec notre partenaire comment développer un cadre stable pour une offre, une prestation virtuelle pour des journalistes qui veulent améliorer leur travail. C'est encore un peu ouvert l'idée, mais nous sommes en train de discuter avec les partenaires comment développer ce cadre.